Ah bonsoir. bonsoir. à chacun de vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Nous allons faire la lecture du verset 7 du chapitre 7 pardon, dans le chapitre 7 à partir du verset 9 jusqu'au verset 17, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce chapitre. Apocalypse 7 à partir du verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus Je lui dis Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le trône, qui sont-ils Qui sont-ils C'est la question ici que va poser le vieillard et l'apôtre va répondre, je ne sais, tu le sais. C'est un livre qui est quand même formidable, ce livre de l'Apocalypse. Et le terme Apocalypse, on l'a souvent associé au malheur, au cataclysme et aux choses aussi dramatiques et négatives les unes que les autres. Mais ici, le livre de l'Apocalypse n'est rien d'autre qu'un livre de révélation. La révélation donc faite à Jean, comme cela eh bien, est décrit dans le verset premier du chapitre premier, donc en ouverture de cette lettre. Il est, il est dit non pas révélation des malheurs, mais il est dit révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Et c'est ici toute la révélation du Seigneur, la révélation de sa gloire. Nous restons ici dans le livre de l'Apocalypse, dans tout ce qui concerne la parole de Dieu, car la parole de Dieu concerne la révélation de Jésus-Christ. Rien d'autre. Alléluia. Rien d'autre. Révélation de Jésus-Christ. Et concernant Jésus, ici, que, le, que nous révèle le Seigneur par le Saint-Esprit, il nous révèle la révélation de tout ce qui concerne la fin de toute chose. C'est ce qui est, est bien explicité dans l'Apocalypse, de manière imagée et prophétique, bien sûr. Et aussi, c'est ce que nous lisons ici, de l'au-delà. De l'au-delà dans le livre de l'apocalypse il est question eh bien premièrement dans cette chronologie il est question premièrement de ce que jésus eh bien dit aux églises à chacune de ces sept églises d'asie et ensuite il est parlé de tout ce qui se passe dans le ciel de tout ce qui arrivera en même temps sur la terre et de toute cette terre qui va passer pour arriver à la fin du livre de l'apocalypse eh bien, de cette nouvelle Jérusalem, de cette nouvelle terre, de ces nouveaux cieux qui s'ouvriront avec le Seigneur et tous ses rachetés. Ici, dans le passage que nous avons lu, qui s'inscrit dans le chapitre 7, une fois, eh bien, ça fait très longtemps de cela, j'étais encore enfant et. Il y avait eh quelqu'un, un, un témoin de Jéhovah en l'occurrence, qui était venu, passer de, qui s'était passé devant la maison et mon père était dans la cour. Et quand il a vu mon père, euh, était venu lui parler et il lui avait dit, et mon père était toujours ouvert parce qu'il saisissait ses occasions pour témoigner de l'évangile, et mon père lui, a, lui avait dit Eh bien, euh, monsieur, est-ce que vous vous êtes sauvé Et lui, il a répondu Oui, je fais partie des 144 000. <laughs> Dans ce chapitre 7, vous lirez chez vous, il est question des 144 000, des fameux 144 000. Je fais partie des 144 000. Mon père a dit, c'est curieux, c'est curieux. Et qui vous l'a dit Il a dit, non, mais je le sais. Il a dit, ah bon, est-ce que vous en avez rencontré d'autres comme vous Il a dit, euh, oui, j'en ai rencontré euh, certains. Ah d'accord, d'accord. Mais et... Mon père a dit, est-ce que moi je pourrais faire partie Il a dit non, c'est donné à quelques-uns, pas à tout le monde. 144 000. Et mon père a dit donc je n'ai pas le droit de, je n'aurais pas droit aller dans le ciel à être sauvé alors. Et ce brave homme a dit, ben non, si on s'en tient à la Bible, non. Et il a ouvert dans le livre d'Apocalypse chapitre 7 en disant, voyez, il y a que 144 000 qui seront sauvés. Et mon père est arrivé un peu plus bas, il a dit, lisez la suite, monsieur, lisez la suite. Et au verset 9, c'est qui cette grande foule que personne ne pouvait compter, parce qu'il n'y a plus 144 000 C'est qui cette grande foule que personne ne pouvait compter De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, c'est qui, monsieur Et il n'a pas su que répondre. Et mon père l'a regardé et lui a dit, vous, vous êtes dans les 144 000 peut-être, mais moi, je suis dans cette foule-là. Je suis dans cette foule-là. Et j'aimerais ce soir parler de cette espérance que nous avons de cette espérance que donne l'évangile de Christ, l'évangile de paix. Cette espérance qui nous permettra, à nous, à vous comme à moi, si nous croyons et si nous attendons l'avènement du Fils de Dieu, qui nous permettra de nous tenir devant le trône. Alléluia. Le trône, quel trône Eh bien, le trône, c'est ici, bien sûr, le trône de Dieu. Puisqu'il est dit, nous l'avons lu au verset 9, il est dit qu'ils se tenaient devant le trône. Cette foule, elle se tenait devant le trône. Quel trône Un peu plus bas, à la fin du verset 14, au verset quinze, pardon, début du verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Alléluia. Quel trône Le trône de Dieu. Frères, sœurs, cela nous apprend que quand cette terre et ce ciel passeront, parce que le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre que nous voyons seront roulés comme un vêtement, ils passeront, la terre d'à présent est réservée pour le feu. Il n'y a rien qui sur cette terre demeurera, rien, absolument rien. Tout passera. Notre espérance n'est pas ici-bas. L'espérance de l'Évangile ne concerne pas la terre, ne concerne pas ce ciel que nous voyons au-dessus de notre tête, non, non. Mais quand toutes ces choses seront fermées, il y a un trône qui demeurera. Et sur ce trône, celui qu'on appelle l'ancien des jours, celui qui vit au siècle des siècles, il règnera encore et toujours. Alléluia. Voilà pourquoi ce Dieu immuable, ce Dieu qui parle, et eh bien sa parole aussi demeure éternellement. Et Jésus va pouvoir dire Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le trône de Dieu, le trône de Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est sur son trône. Alléluia. La Bible nous dit qu'il fait tout ce qu'il veut. Et quand ce ciel, quand cette terre seront roulées comme un vêtement, disais-je, eh bien, il y aura encore une foule qui sera devant le trône de Dieu. Il y aura encore des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation qui seront devant le trône de Dieu. C'est-à-dire que quand le ciel et la terre passeront, il y aura des âmes qui demeureront dans l'éternité avec Dieu. Et c'est ce qui est ici décrit. Le trône est celui de Dieu. L'agneau, qui est à côté de ce trône, parce qu'il est question ici, de, il se tenait, donc à la fin du verset 9, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, parce que l'agneau, il est là. Alléluia. Lui aussi, il est éternel. Lui aussi, il demeure éternellement. Lui aussi, il règne éternellement. Et l'agneau n'est autre que Jésus Christ lui-même. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Et cet agneau est dans le ciel. Bah ben oui, il n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia. Il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, quand on est allé le voir, l'agneau de Dieu, Jésus Christ, il n'était plus dans le tombeau. Alléluia. La pierre était roulée. Il avait roulé la mort. Il avait vaincu la mort. Et il est monté, eh bien, disparaître dans le ciel aux yeux de plusieurs témoins. Et cet agneau, il est dans le ciel. Alléluia. Il reviendra bientôt pour nous prendre et pour nous amener. Et il sera encore et toujours dans le ciel. Et cette foule est devant le trône de Dieu le Père et devant l'agneau, devant Jésus. Cette foule, ces personnes... Il nous est dit ici à la fin du verset 9 toujours qui sont devant le trône de Dieu devant l'agneau revêtu de robe blanche et cette particularité avec des palmes dans leurs mains qu'est-ce que cela signifie? Les palmes ici dans la parole de Dieu la palme branche de palmier ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas pour avoir une branche, ce n'est pas pour qu'on se concentre sur des branches d'arbres, non. C'est un symbole. Et c'est le symbole de l'immortalité. Parce que la vie dont nous parlons, c'est la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16, on le connaît tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, chers amis, ne périsse point. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Qu'il hérite l'immortalité. La vie éternelle est le partage de ces personnes, de cette foule, qui est là devant le trône, qui est là devant l'agneau, ils tiennent ces palmes qui signifient qu'ils sont devenus immortels, qu'ils ont hérité la vie éternelle. Mais qui sont ils, ces gens? Qui sont ils? Et le vieillard ne va faire que il ne va faire que faire écho de la question qui était dans le cœur de Jean. L'apôtre qui assiste à ce tableau merveilleux, il est en train certainement de se poser la question, mais qui sont ces gens Qui sont ces gens Bien sûr qu'il n'osait pas la poser à haute voix. Le vieillard, lui qui sait qui sont ces gens, va lui poser cette, la question. Qui sont-ils Monseigneur, tu le sais. Qui sont-ils Eh bien, chers amis, plaise à Dieu que cette foule Plaise à Dieu que cette foule comprend vous et moi, comprend chacun de nous. Si nous vivons pour cette terre, chers amis, si nous vivons pour les réussites de cette terre, si nous vivons pour le bien de cette terre, si nous vivons pour la résolution des problèmes de cette terre, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Si le ciel et la terre passeront, nous sommes malheureux. Mais si nous avons compris que notre récompense n'est pas ici-bas, que notre royaume n'est pas ici-bas, que notre bonheur n'est pas eh bien, dans tout ce qui concerne ici-bas, dans une réussite d'ici-bas, dans la résolution d'un problème d'ici-bas, dans un besoin pourvu d'ici-bas, ce n'est pas notre bonheur. Notre bonheur, c'est le ciel. Alléluia. Le trône, le trône de Dieu l'agneau de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Alors, qui sont-ils Ces hommes et ces femmes qui sont devant le trône, qui sont-ils Eh bien, la parole de Dieu ici nous montre clairement que ce sont ceux qui, premièrement, pardon, sont lavés par le sang de l'agneau. Sont lavés dans le sang de l'agneau. Il me dit, ce sont ceux qui viennent, verset 14 de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Ce chant nous dit, ce chant que nous connaissons bien, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige laver dans le sang de l'agneau. Il s'agit bien sûr du sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Et mes chers amis, pourquoi avons-nous besoin de laver notre cœur, notre âme Parce que c'est là, ici, la robe. La robe, ici, n'est pas un apparat, ce n'est pas un accoutrement, non. La robe, c'est nous. La robe, c'est notre personne. La robe, c'est tout ce qui nous concerne. C'est notre intimité. C'est notre cœur. C'est notre âme. Ce sont nos actes. Ce sont nos paroles. C'est tout ce qui nous concerne. Et si la robe est bien parée, si la robe est visible, elle est visible devant le trône de Dieu. Elle est visible dans le ciel. Frères et sœurs, chers amis, Dieu nous connaît. Dieu nous voit parfaitement. Il connaît la couleur de notre robe. Il sait de quoi nous sommes faits, oui, il sait de quelle nature nous sommes, oui, mais il sait aussi si nous avons été lavés. Sommes-nous lavés ce soir Es-tu lavé par le sang de l'agneau On parle ici, eh bien, d'une pureté qui est avant tout spirituelle et qui rejaillit sur tous les domaines pardon, de notre vie. Si nous sommes lavés par le sang de l'agneau, nous sommes vus et agréés de Dieu. Et si nous sommes lavés par le sang de l'agneau, cela est également constaté par ceux qui sont autour de nous. Il n'y a pas de démonstration à faire. Il n'y a pas d'argument à poser. Non, non. Si nous sommes agréés de Dieu, il y a une marque sur notre vie. La pureté de Dieu est une marque sur notre vie. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'un signe humain distinctif. Non, la pureté de Dieu est une marque sur ta vie, est une marque sur ma vie. Quand nous sommes enfants de Dieu, il y a un témoignage sur nous. Alléluia. Il y a un témoignage. Ils sont lavés. Et voilà pourquoi ils sont devant le trône, parce qu'ils sont lavés. Et chers amis, ce ne sera pas par les œuvres, ce ne sera pas eh par ce que nous ferons de bien ou de mal. Non, non. Ce sera uniquement par le sang de l'agneau. C'est-à-dire que ce n'est pas une, bo une bonne action qui va rattraper une mauvaise. Vous comprenez. Ce n'est pas en faisant le bien que je me rachèterai du mal que je fais. Non, non. Ce n'est pas en faisant le bien que je gommerai la méchanceté qui est en moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour être, pardon, racheté, pour être changé, pour être transformé, il n'y a qu'une seule opération possible. Et c'est à la croix du calvaire que le sang de l'agneau a coulé, chers amis. C'est à la croix du calvaire que Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi, pour nos péchés, pour nos iniquités. C'est à la croix du calvaire que le Fils fut frappé sous les yeux du Père. C'est à la croix du Calvaire que le seul, le seul sacrifice agréé par Dieu a été offert. Alléluia. Aucun autre sacrifice en réalité, permettez-moi de le dire, aucun autre sacrifice n'a été agréé par Dieu. Même pas les sacrifices de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire concrètement les animaux qui ont été immolés. Aucun animal en réalité n'a été agréé par Dieu. Aucun. Aucun. Voilà pourquoi Paul, eh bien, quand il parle au, dans cette lettre aux Romains, il va parler, dans ce temps où les animaux étaient offerts, il va parler du temps de la patience, du temps de la patience de Dieu, jusqu'au jour où Christ allait être offert. Et si on patiente, ça veut dire qu'on n'a pas encore reçu, n'est-ce pas Si on patiente, ça veut dire qu'on n'est pas encore satisfait, sinon il n'y a pas à patienter. Mon frère, ma soeur, si tu attends ce que tu attends, je ne sais pas. Par exemple, sœur, tu as fait une commande, hein Tu attends ton colis. Et tous les jours on surveille si sur le facteur il passe, il ne dépose pas le colis. À ce que m'a payé. Hein je ne sais pas, tu as commandé, je ne sais pas, une robe, quelque chose. Et on attend le colis. Bah, tant que le colis n'arrive pas en patiente. À un moment donné, on s'inquiète, on voit il y a 14 jours qui sont passés, on se dit, bah, bah, qu'est-ce qui se passe Le suivi du colis, on ne voit rien, on, on appelle, parce qu'on commence à s'impatienter. Mais c'est toujours la patience qui est en jeu. On attend, pourquoi Parce qu'on n'a pas reçu. Mais si tu as reçu ton colis au bout de deux jours, trois jours, bah, tu n'attends plus. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu pourquoi Dieu a attendu toute l'ancienne alliance Parce qu'aucun animal sacrifié ne l'a satisfait. Aucun animal offert n'a en réalité été agréé. Où était l'accord de Dieu sur ces animaux offerts C'était juste qu'ils étaient prophétiques de celui que Dieu attendait. Alléluia. Dans chaque animal offert, Dieu voyait son Fils à la croix. Cette opération n'est possible qu'à la croix, où le sang de l'agneau a coulé. Nous ne pouvons être lavés de nos péchés qu'à la croix. Personne ne pourra se tenir devant le trône de Dieu avec son péché. Personne ne pourra se tenir devant le trône de Dieu avec sa nature. Tel que nous sommes, nous sommes bons pour l'enfer. Nous sommes bons pour la séparation éternelle avec Dieu. Nous ne sommes pas dans le ciel. Quand l'éternité s'ouvrira, nous ne serons pas dans le ciel avec Dieu, mais nous serons loin dans ce lieu de tourment, seuls, jour et nuit. Voilà pourquoi ce soir, il est important pour toi, comme pour moi, pour chacun de nous, de nous assurer d'être lavés par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, je le répète. A avant tout une valeur éternelle, donc spirituelle, parce que nous le savons, les choses visibles, les choses physiques ne demeurent pas. S'il s'agissait du sang physique de Jésus, ça n'aurait qu'une valeur temporelle. Alors que des hommes et des femmes recherchent des reliques, alors que les hommes et les femmes recherchent eh bien, ce qui a pu appartenir au Christ, alors que les hommes et les femmes recherchent tout ce qui est religieux, voire superstitieux, nous, nous croyons dans la valeur du sang de Jésus, qui est éternel, qui n'est donc pas visible, alléluia, qui est invisible, mais qui est éternel. Et ce sang peut nous laver ce soir, ce sang peut nous purifier ce soir. Comment Comment c'est très simple, chers amis. Qui sont ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu dans ce passage que nous lisons à la fin de toutes choses Eh bien, ce sont ceux qui, pour être lavés par ce sang, se sont repentis devant Dieu. Se sont repentis de leurs péchés qui ont fait demi-tour par rapport à leur vie passée, par rapport à leurs fautes, par rapport à leurs offenses, qui ont fait demi-tour, qui ont refusé eh bien, la vie de péché, la vie selon les pulsions charnelles qui ont refusé le monde. Ceux qui se sont repentis, ceux qui ont pris une route nouvelle, une voie nouvelle en Jésus. Et tu l'avais par le sang de l'agneau. T'es-tu repenti devant Dieu La repentance est personnelle. Ce n'est pas quand le pasteur priera pour toi que tu, tu pourras te repentir. Non, c'est toi qui dans ton cœur te repent devant Dieu. Ce n'est pas quand le pasteur priera pour toi que tu seras pardonné de tes péchés. Non, c'est quand toi-même tu te repentiras à la croix du calvaire. Le sang de Jésus te lavera. C'est personnel. On attend trop que quelqu'un fasse pour nous. N'est-il pas temps que ce soit toi qui fasses Pourquoi je dis cela Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont attendu que les autres fassent. Et du coup, ils n'ont rien fait. Et quand je dis qu'ils n'ont rien fait, je veux dire par là que quelqu'un les a repentis. Quelqu'un, eh bien, les a baptisés. Quelqu'un a fait, c'est toujours quelqu'un qui a fait. Mais nous-mêmes, on ne vit pas l'expérience. Nous-mêmes, on ne rencontre pas le Seigneur. Nous-mêmes, on n'est pas transformé, on n'est pas changé. On a connu une émotion, on a connu quelque chose, que quelque chose s'est passé, mais on a été passif. Frères, sœurs, chers amis, il faut que tu vives ta conversion. Il faut que tu vives ta repentance. Il faut que tu vives le sang de Jésus sur ta vie. C'est toi et le Seigneur. C'est toi et le Seigneur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça va peut-être s'emballer un peu au début. Ça va peut-être bien rouler au début, mais ça va lâcher. Ça va lâcher. Ils sont lavés par le sang de l'agneau parce qu'ils se sont repentis, parce qu'ils ont dit non à leur vie passée, parce qu'ils ont voulu de cette nouvelle vie. Alléluia. Est-ce que tu veux de la vie nouvelle? Jésus, en s'approchant de ce paralytique à Bethesda, paralytique depuis 38 ans, Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Si quelqu'un pense que ce n'est pas une question à poser, j'aimerais dire qu'au contraire, toute la perspicacité de cette question eh bien, a le plus grand poids en valeur ce soir pour ta vie. Est-ce que tu veux de cette nouvelle vie Parfois, on vient à Jésus parce qu'on ne veut plus de problèmes. Oui, tu ne veux plus de ce qu'il y a derrière. Peut-être, c'est bien, c'est un, un, bon, un bon premier pas. Mais est-ce que tu veux de la vie du Seigneur? Est-ce que tu veux d'une vie pure? Est-ce que tu veux d'une vie sans le monde et les plaisirs du monde? Est-ce que tu veux d'une vie sans passion qui avilie ton âme? Est-ce que tu veux d'une vie eh bien, qui est selon Dieu? Est-ce que tu veux de cette vie? Parce que si tu ne veux pas de cette vie, je le répète, ça va flancher encore. Lavé par le sang de l'agneau. Pour celui qui n'a plus voulu de pécher, de ses péchés, de sa vie passée, et qui a eu soif de la vie éternelle en Jésus. Alors celui-là est lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Deuxièmement, qui sont ceux qui sont devant le trône dans cette éternité magnifique Eh bien, ce sont ceux qui ont persévéré dans les souffrances. Toujours au verset 14, qu'est-ce qu'on voit Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, sans faire de l'exégèse ce soir, juste résumer cette chronologie de l'Apocalypse. Certaines parties de cette chronologie eh bien, est bien sûr débattues encore aujourd'hui par ceux qui étudient la Bible. Mais peu importe, on sait qu'il y aura différentes périodes dans ces temps qui sont les temps de la fin. Et qu'à un moment donné, l'Église sera enlevée qu'il y a une période qui est appelée la Grande Tribulation. Certains disent que c'est après l'enlèvement de l'Église. D'autres disent pardon, que l'enlèvement de l'Église se fera dans cette période de la Grande Tribulation, qui se chiffrerait apparemment à environ trois années et demie, peu importe. On sait qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. On sait qu'il y aura la Grande Tribulation. Et c'est quoi la Grande Tribulation Littéralement... Tribulation, ces souffrances extrêmes. Les plus lourdes difficultés que l'on peut connaître. Les grandes tribulations. Ceux qui sont devant le trône de Dieu sont ceux qui ont pu traverser cette grande tribulation sans abandonner la foi. Alléluia. Lavé par le sang parce qu'on a cru et que malgré les tribulations, on a continué à croire. Je ne sais pas quelles sont tes tribulations, mais pourquoi les tribulations sont-elles là Pourquoi les souffrances sont-elles là dans la vie de tous les chrétiens Frères, sœurs, pour tester notre foi, pour tester notre foi. On a cru initialement, c'est bien, on a cru en Jésus, c'est bien, nous sommes lavés par le sang de l'agneau, par le moyen de la foi. Mais il faut continuer de croire. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer quand Persévérer dans les souffrances. Que nous dit la Bible Que nous dit Jésus Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Concrètement, ça veut dire quoi Il y a beaucoup qui sont derrière la ligne de départ, mais il y en a peu qui passent la ligne d'arrivée. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et qu'est-ce qui fait que grandement, grandement, beaucoup s'arrêtent en route Eh bien, ce sont les souffrances. Ce sont les tribulations. Ce sont tout simplement ces souffrances qui sont parfois extrêmes. Frères, sœurs, que nous ayons à souffrir, ce n'est pas un secret. Que nous ayons à porter notre croix, j'espère que ce n'est un secret pour personne. Que nul ne regarde comme une chose étrange la fournaise eh bien, dans laquelle on pourrait se trouver. Le Seigneur nous en a parlé, il nous a prévenus. Mais permettez-moi aujourd'hui, non pas que je ne crois pas, oh, de tout mon cœur, je crois, j'ai confiance en le Seigneur. Et je crois que quand quelqu'un marche avec le Seigneur, c'est parce qu'il a cru de tout son cœur. Nous ne sommes pas Dieu, nous. On ne peut qu'avoir confiance. Quand quelqu'un dit je marche avec Dieu, qu'il a cru de tout son cœur. Mais force est de constater. Que quand vient une ou des souffrances et qu'on lâche, ce n'est pas la foi. Ou ce n'est plus la foi. Si ça a été, ça n'est plus. La foi, la véritable, est celle qui nous permet de traverser victorieusement les souffrances. D'ailleurs, le Seigneur, à chaque conclusion de ces sept lettres, cette église d'asie il va dire quoi à celui qui vaincra alléluia à celui qui vaincra je donnerai à celui qui vaincra je ferai à celui qui vaincra mon frère ma soeur il te faut vaincre les souffrances il te faut vaincre tes tribulations il te faut vaincre même tout ce qui est extrême il te faut vaincre parce qu'il nous faudra tous paraître devant le trône de l'agneau. Si nous ne vainquons pas, nous ne pourrons pas hériter. Si notre foi ne dépasse pas l'épreuve, la fournaise qui est là devant nous, nous ne pourrons pas entrer dans le ciel. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup qui commencent bien mais très peu qui finissent. quel groupe es-tu Vous savez, ces chrétiens des premiers temps, l'Église primitive, comme on l'appelle, ces chrétiens ont connu des, des tribulations que vous et moi, nous ne connaissons pas. Pour leur foi, ils étaient mis à mort. Cet empereur sanguinaire appelé Néron, il a brûlé les chrétiens comme des torches vives pour éclairer Rome la nuit. Brûlé. Des tribulations que vous et moi, nous ne connaissons pas. Nous avons connu des choses difficiles, mais à moins que je me trompe, dites-moi si je me trompe, personne n'a connu les arènes. Personne n'a connu les bêtes féroces. Personne n'a été écartelé pour sa foi. Personne. Mais alors qu'on leur faisait subir ces supplices et qu'on leur disait Renie Jésus et on te lâche, on te relâche, on te laisse la vie sauve, renie Jésus, ils savaient que s'ils reniaient Jésus à ces moments-là, il ne pourrait pas, il ne pouvaient pas pardon, hériter le ciel. Frères, sœurs, pourquoi vous dis-je cela Parce que nous, parfois, devant un verre de rhum, nous reniez Jésus. Pourtant, pour personne, pourquoi pas nous la tatouer Devant un verre d'alcool, nous reniez Jésus. Devant une cigarette, nous reniez Jésus. Devant une sortie en boîte, nous reniez Jésus. Devant une maladie, on renie Jésus. Devant une difficulté familiale, on renie Jésus. Devant une tentation, on renie Jésus. On renie Jésus. Parfois, on essaie de se rassurer, on essaie de se convaincre en disant Après tout, on n'était pas parfait, après tout, Pierre aussi, il a renié, etc., etc., etc. Vous croyez que vous pourrez dire ça devant le trône Vous croyez que vous pourrez sortir une excuse Devant Dieu, la Bible nous dit que toute bouche sera fermée. Toute bouche. Quand dans cette parabole, le maître est entré dans la maison et qu'il a dit, eh bien, à cet homme qui n'avait pas l'habit de fête, qui t'a permis d'entrer La Bible nous dit qu'il eut la bouche fermée. On n'argumente pas avec le maître. On n'argumente pas avec Dieu. Avec les hommes, on peut argumenter. Avec le pasteur, on peut argumenter. Mais avec Dieu, on n'argumente pas. Il connaît nos cœurs. Il nous connaît. Ceux qui sont devant le trône, ils ont vaincu. Ça veut dire quoi qu'ils ont vaincu Ça veut dire qu'ils ont tenu, alléluia. Ils ont tenu ferme dans la foi. Mon frère, ma soeur, cher ami, tu dois tenir ferme dans la foi. Tu dois tenir ferme, même quand viennent les tribulations, même quand viennent les souffrances. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas lâcher. Quand bien même, on dirait du mal de toi, tu ne dois pas abandonner. Quand bien même, tu te sentiras délaissé, tu ne dois pas abandonner. Quand bien même, eh bien, il te semblera que les autres te pointent du doigt. Tu ne dois pas abandonner. Mais tu dois tenir dans la foi. Alléluia. Tu dois tenir, car ta récompense est devant. Si tu as commencé à courir, cours encore. Il faut passer la ligne d'arrivée. Et enfin, ceux qui sont devant le trône. Verset 15 nous dit c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Alléluia. Ceux qui sont devant le trône, ils servent Dieu jour et nuit. Vous allez me dire c'est dans le ciel, mais laissez-moi vous dire que s'ils servent Dieu jour et nuit dans le ciel, c'est parce qu'ils l'ont servi jour et nuit sur la terre. Comprenons que si sur la terre nous avons vécu sans Dieu, nous ne pourrons pas vivre avec lui dans l'éternité. Jésus va dire à Marthe. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à l'occasion de la mort de Lazare, quand il va lui dire Ton frère ressuscitera, elle va dire Oui, je sais. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus a dit Je suis la résurrection et la vie. Et il va ajouter Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et tu, peux, tu veux mettre la suite Et regardez bien Quiconque vit, et croit en moi. Il ne mourra jamais. Alléluia. Quiconque vit et croit en moi. Jésus ne dit pas quiconque meurt et croit en moi, comme s'il si y avait une possibilité à partir du moment où nous mourrons de changer de comportement, de changer de voix. Ce n'est pas possible. C'est pendant cette vie d'ici bas que les choses se passent. C'est pendant notre existence, ici-bas que les choses se décident, frères, sœurs, chers amis, ne nous trompons pas. Vous et moi qui sommes ici, nous savons depuis bien longtemps que le purgatoire n'existe pas, n'est-ce pas? Oui ou non, rassurez-moi. Ah, j'ai eu peur. Rassurez-moi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de deuxième chance. N'y a qu'il qui a le rattrapage. Dans le salut, quand on ferme les yeux, c'est fini. Quand on ferme les yeux sur cette terre, c'est fini. Il n'y a plus de rattrapage. C'est fini. On n'a plus possibilité de se représenter une deuxième fois, eh bien en disant, Seigneur, cette fois je vais croire en toi, ce sera fini. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Si dans cette vie, dans cette vie, tu ne sers pas le Seigneur, ce ne sera pas dans l'éternité que tu le serviras. Si ces hommes et ces femmes devant le trône servent Dieu jour et nuit dans le ciel dans son temple, dans la nouvelle Jérusalem, c'est parce qu'ils l'ont servi sur la terre jour et nuit. Alléluia. Si l'agneau, au verset 17, qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira dans la vie à venir, dans le siècle à venir, c'est parce que ce même agneau, ce même Jésus les a conduits sur la terre. Alléluia. Ils se sont laissés conduire par Jésus sur la terre. David va dire, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Si Jésus est notre berger sur la terre, il sera aussi notre berger dans le ciel. Vous comprenez Ce que l'on est en train de vivre ici-bas, eh bien le ciel n'en sera que le prolongement. Je parle de notre foi. Je parle de notre espérance. Je parle eh bien, de la vie que nous vivons avec le Seigneur. Si nous vivons avec le Seigneur ici-bas, nous vivrons avec lui pour l'éternité. Si nous nous réjouissons dans le Seigneur ici-bas, nous nous réjouirons avec lui pour l'éternité. Si nous le renions ici-bas, nous le renierons pour l'éternité. Si nous, vous, nous vivons sans lui ici-bas, Nous vivons sans lui pour l'éternité, malheureusement, il n'y a pas de demi-mesure. Soit nous vivons avec lui, soit nous vivons sans lui. On ne peut pas vivre un peu avec lui. Il n'y a pas de demi-mesure. Servir Dieu jour et nuit, c'est obéir à sa parole jour et nuit. Servir Dieu jour et nuit, c'est être conduit par Dieu jour et nuit. Servir Dieu jour et nuit, c'est être esclave de Dieu jour et nuit. Serviteur de Dieu. Humainement, ce ne sera jamais facile. Mais c'est quand même là le salut, bien-aimé. C'est quand même là. Pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui sont conduits par le Seigneur. Alors, si cette réalité qui est dans le ciel nous est dépeinte ce soir, c'est parce que, chers amis, il y a une espérance. Si le livre de l'Apocalypse a été donné, si la révélation de ce qui vient, de ce qui nous est invisible nous est donnée, c'est parce que, chers amis, il y a une espérance. Une espérance qui ne concerne pas la Terre. Une espérance qui ne concerne pas eh bien, les souffrances que tu peux porter en ce moment. Non. Une espérance qui est dans le ciel. Une espérance qui ne dépend pas des gouvernements, des armées, des guerres et de leurs issues. Non. C'est une espérance qui est dans le ciel, alléluia. Cette espérance, elle ne trompe pas. Elle ne trompe pas. Ce que nous venons de lire concernant ce trône, concernant l'agneau, concernant eh bien, cette foule qu'on ne peut compter, vêtue eh de robe blanche, ayant une palme à la main, et eh bien ce n'est pas trompeur. Dieu ne nous ment pas. C'est une réalité qui nous attend. Alléluia. Qui sont ces hommes? Qui sont ces femmes La seule question que je dois me poser, c'est « Est-ce que c'est moi »« Est-ce que c'est moi ?»« Mon frère, ma sœur, est-ce que c'est toi »« Est-ce que cette foule nous comprendra tous et toutes ?»« Et cela nous appartient ?» Tout est en train de se jouer maintenant. Tout est en train de se décider alors que nous sommes d'ici bas. Ou nous sommes lavés par le sang et nous hériterons le ciel. Ou nous ne sommes pas lavés par le sang de l'agneau. Et nous ne serons pas devant ce trône. Ou nous traversons les souffrances avec victoire et nous serons dans le ciel. Ou nous ne traversons pas, nous ne tenons pas dans la souffrance et nous ne serons pas dans le ciel. Ou nous servons Dieu et nous lui obéissons jour et nuit, nous nous laissons conduire par lui jour et nuit et nous serons dans le ciel. Ou nous désobéissons à Dieu, nous ne nous laissons pas conduire en toute chose par lui. Et nous n'irons pas dans le ciel. Tout se joue maintenant.